contente de vous voir. C'est vraiment injuste. Les exilés du Nexus trouvent une terre d'accueil, tandis que d'anciens membres de la sécurité... Excusez-moi, pionnière. Je ne savais pas vers qui me tourner. Mon meilleur ami a disparu depuis les révoltes. Dites-moi tout. Il entretenait une relation avec une femme qui a été exilée. Vu son obsession pour lui, je suis presque sûr qu'elle l'a enlevé. Les autorités ne me croient pas, ils s'en balancent. Ils pensent qu'il est parti de son plein gré. L'amour peut nous faire faire des choses insensées. Il n'était pas amoureux, c'était juste un flirt. L'initiative l'a qualifié de traître. Je ne veux pas qu'on se souvienne de lui comme ça. Je veux qu'on lave son nom. Sanjeev Clément. La femme s'appelle Delany Rose. Elle a dû l'emmener sur Kadara. Je verrai ce que je peux faire. Je vous revaudrai ça. Quelle est la situation avec l'Arche Lusignia? Les Asari sont surtout heureuses d'être en vie, mais le Nexus est... Ryder, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Aussi tentante que Meridian puisse être, nous devons faire preuve d'une extrême prudence. Monsieur Tan, prendre des risques fait partie de mon rôle de pionnière. Meridian peut enfin nous donner un foyer, c'est tout ce qui compte. Évitez de tous se faire massacrer par les Kert aussi. Cette menace est permanente, le jeu en vaut la chandelle. Ce n'est pas l'avis du commandement. La décision est définitive. Souhaitiez-vous me demander autre chose ? Simple curiosité, qu'est-ce que vous savez sur les personnes à l'origine de l'initiative ? La même chose que tout le monde. G.N. Garson en était la fondatrice et la tête pensante. Par malheur, elle est morte lors de l'incident du fléau. Personne d'autre ? J'aurais bien aimé. Une autre voix pour apaiser les esprits. Kesh aurait peut-être fini par m'écouter. Mais non, il n'y a plus que nous. Pourquoi cette question ? J'ai des raisons de penser que Garson n'était pas seul. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? C'est compliqué. Elle avait une partenaire dans l'ombre. Une bienfaitrice. À supposer que ce soit vrai, cette partenaire n'a pas donné signe de vie en 14 mois. Elle doit être morte, portée disparue, ou elle n'a jamais existé. Non, tout gravitait autour de G.N. Garson. Mourir seule. Une fin vraiment tragique pour une personne de sa trempe. Ah ? C'était le chaos. Le temps que nous la retrouvions, elle avait déjà succombé à ses blessures. Est-ce qu'il y a eu une enquête sur les circonstances de sa mort ? J'étais encore en stase à ce moment, mais l'incident du fléau a été extrêmement meurtrier. Si vous impliquez que les choses se sont passées autrement, Ryder, je préférerais que vous vous absteniez. Ne compliquons pas la situation. Merci de m'avoir reçu. Bon, qu'est-ce que... qu'on cherche ça. Le seul élément concret qu'on a, c'est que son corps a été retrouvé dans un des appartements. Associer son décès à la catastrophe du fléau relève donc simplement de la spéculation. Ouais, il voulait juste clore cette affaire. Je pense qu'on devrait jeter un œil à cet appartement. Les données environnementales nous permettront de reconstituer les événements. C'est ici que le corps de G.N. Garson a été découvert. Qu'est-ce qu'on cherche ? Scanner la pièce pourrait permettre de reconstituer les événements à partir des données environnementales. Voilà. Ça n'avait rien d'un accident. On l'a assassiné. Plus d'un an s'est écoulé depuis cet incident. Le meurtrier doit à présent être très loin. Ouais. Attends. Cette zone était fermée à ce moment-là. Elle n'a ouvert qu'à l'arrivée de l'Hyperion. Alors qu'est-ce que Garson fabriquait là ? Un autre scan de la salle pourrait se révéler utile. Une porte dérobée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ici G.N. Garson. Le temps m'est compté. Je me cache dans les sections condamnées du Nexus depuis notre arrivée. Quelqu'un veut ma mort. Je les entends. Ils sont dans la ferme hydroponique.
Ils me cherchent. J'ai intégré tout ce que je sais à l'IV du centre culturel. Le code se trouve dans cet enregistrement. Et quoi qu'il arrive, bon sang, ils sont derrière la porte. Merde. Là, c'est du sérieux. C'est troublant, en effet. J'ai récupéré le code du kiosque IV qu'elle a mentionné. Sam, y a quelqu'un dans le coin ? Négatif, pionnière. Aucun membre du personnel dans les environs. Il y a un angle mort près de vous, pionnière. Comment ça ? Il y a une zone de la pièce que je ne vois pas, si je puis dire. Attends, c'est bien ce que je pense ? Ce modèle réduit a disparu de l'inventaire il y a 6 mois. Pionnière, allez-vous remettre la boîte à sa place ? Qui trouve, garde. Des interférences perturbent le scanner. Vous allez devoir utiliser des techniques moins élaborées pour fouiller ces quartiers. Kesh, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. On a stabilisé les systèmes pour l'instant. Mais on va devoir rediriger l'alimentation d'ici peu. Sinon, on risque de perdre des modules de stase. Le datapad est verrouillé par un mot de passe. Dois-je le déchiffrer ? On prend le risque. Vas-y. Accès au registre audio. Lance le premier. Dan commence à s'entendre un peu trop bien avec la remplaçante de Vetra. J'ai intérêt à faire quelque chose. Lance le deuxième. Rappeler à Addison que les Krogan sont tous partis. Entretenir sa frustration. Lance le troisième. Garder mes distances avec ce crétin qui dirige la première colonie. S'il soupçonnait que je cherche des ennuis avec Addison, il pourrait me causer de gros problèmes. Merci, Sam. Compte rendu de réunion pour Monsieur Tan. Les techniciens ont encore une fois demandé des ressources que nous n'avons pas. Notamment la réparation de systèmes secondaires. Je commence à douter des compétences de Kesh en matière d'organisation. Comment monter en grade et la route accélérée de la promotion. Des composants de recycleurs, des accumulateurs, des aliments déshydratés. Je scanne les étiquettes. Une grande partie de ces boîtes ont été signalées disparues. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous devriez peut-être regarder sous le mobilier ou derrière, pionnière. Accès au registre audio. Merci, Sam. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne peux pas scanner ce que vous tenez, pionnière. Comme si un brouilleur m'en empêchait. On va avoir besoin d'un expert en transmission. J'ouvre. Entrez. Mais qu'est-ce... Surprise ! Voilà mon projet. Elle est terminée. Elle ? Je la trouve plutôt féminine. C'est un premier essai. Je lui ai retiré ses commandes d'origine pour voir si je pouvais l'activer moi-même. Et l'essai est concluant. J'ai plus qu'à construire une version de terrain avec des protocoles de combat qui se battra pour vous. Alors, vous en dites quoi ? Je préférais que Souvi et Gil y jettent un œil. S'ils sont d'accord, vous pourrez l'amener à bord et avancer plus vite sur la version de combat. Ok, c'est vrai qu'on n'est jamais trop prudent. Oh non ! J'ai oublié de verrouiller la...
Et merde. Ça alors, Pélissaria. Je ne savais pas que tu utilisais encore ce trou à rats. Et qui voilà? Kalinda, voici Ryder. Oh, tout le monde connaît la pionnière humaine. Non, je parlais de ton amie Relika. C'est pas tes oignons, Kalinda. Évidemment. C'est bien pour ça que c'est intéressant. Allons, pas tant d'hostilité, chérie. On peut bien discuter poliment, non? Exactement. D'un autre côté, vous êtes entrée sans autorisation, alors... Oh, voyons. J'avais peur qu'il soit arrivé quelque chose à ma vieille amie, c'est tout. Désolée pour l'intrusion, Pélissaria. Je suis soulagée de voir que tu es passée à autre chose. À plus. Je vous raccompagne. Alors, vous voulez m'en parler? Oh, Kalinda et moi, ça fait un bail qu'on se connaît. On a rejoint l'initiative ensemble. Pendant longtemps, on a été comme une famille. C'est fini. Vivre 1000 ans, ça veut dire voir beaucoup de gens entrer dans sa vie et en sortir, Ryder. Créer des liens, c'est idiot. Et c'est pareil pour les endroits. Il est temps de plier bagages. J'en ai terminé ici. Mais comment pouvez-vous abandonner tout ça? Regardez un peu. Je pars comme j'arrive. Vite. Bienvenue à vous, cher voisin. Je suis Jen Carson, fondatrice de l'initiative Andromède. Je souhaiterais vous en apprendre plus sur mon projet. Sam, on peut écouter le message dont Garson parlait? Déverrouillage en cours. Je le redirige sur notre canal privé. Pendant des années, l'initiative a eu un contributeur officieux. Pour être franche, je manquais cruellement de fonds. Puis une bienfaitrice est apparue. Je ne l'ai jamais vue ni lui ai posé de questions. Une regrettable erreur. J'ai menti à tout le monde. Quelque chose les a terrifiés dans la Voie lactée, et voilà qu'ils déplacent 100 000 d'entre nous vers Andromède. Pour le meilleur, j'espère. J'ai des doutes. Je pense qu'on va essayer de m'éliminer. Avec Alec Ryder, nous avions un mot de code pour ça. Fulcrum. Il en sait peut-être plus. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par « quelque chose les a terrifiés dans la Voie lactée » ? La réponse pourrait se trouver dans les souvenirs de votre père. Il en savait peut-être davantage. Ouais, il faudra que j'en obtienne l'accès pour en avoir le cœur net. Pionnière, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais vous demander quelque chose, et il va falloir sourire et faire comme si de rien n'était. Souriant et l'air de rien, compris. J'ai trouvé ça, quelque part sur la station. Je veux savoir à quoi ça sert exactement. Bien sûr, je peux... Eh, mais c'est un brouilleur! C'est illégal, ce truc! Où est-ce que vous avez trouvé ça? Je préfère me taire pour l'instant. Vous le saurez en temps voulu. Ou une fois que j'aurai piraté ce brouilleur. Vous pouvez prouver qui s'en est servi, avec certitude? Bien sûr. On pourrait pirater n'importe quelle barrière de sécurité avec ces machins. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont interdits. Pardon. Souriant, l'air de rien. Prévenez-moi quand ce sera fait. Comptez sur moi. Pionnière, vous avez reçu un nouvel email. Bonjour. Je peux vous aider, bonsoir. Et voilà, un petit pidjack, prêt à découvrir Andromède. Sam, tu pourrais prévenir Kesh, histoire d'être sûr que notre nouvelle amie soit bien expédiée aux tempêtes. Entendu. J'ai intercepté une cargaison non autorisée vers Kadara, du matériel crucial, rations, outils, accumulateurs, ça correspond à ce qui nous manque. Quelqu'un se sert dans les stocks du Nexus et de l'Hyperion pour approvisionner les exilés. Si vous pouviez chercher des activités ou des cargaisons suspectes, ça m'aiderait beaucoup. Je verrai ce que je peux faire. Merci. La marchandise volée n'a pas encore été distribuée, donc Sam devrait pouvoir la détecter. Oups, on dirait que notre petit Pidgeack est sorti de sa cage. Ça devrait aller, non? Un peu d'exercice ne peut pas lui faire du mal.
Vous vouliez me parler ? Ryder, j'ai un coup de main à vous demander. J'ai l'impression que c'est important. Ouais, on peut dire ça. Un des botanistes, Ark, a appelé. On a volé un transporteur de la colonie. Ce n'est qu'un transporteur. Vous ne pouvez pas le remplacer ? C'est pas le transporteur, le problème. C'est ce qu'il y a dedans. Notre chambre de semences. Il n'y en a qu'une, comme ça. Sans cette chambre, les choses deviennent plus compliquées. Les enfants Krogan ont besoin de ces nutriments pour survivre. Si ne serait-ce qu'une seule couvée éclos avant la fin de la synthèse, les effets seront irréversibles. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je vais trouver ces voleurs et récupérer la chambre. Vous voulez bien m'accompagner ? Les transporteurs ne sont pas censés être protégés par des codes ? Et comment ils ont pu échapper à un Krogan ? C'est la première chose que Ark a vérifiée. Il restait des vieux codes non effacés. Il bossait dans le transporteur et il en est sorti 2 secondes. Les voleurs en ont profité pour l'embarquer. Bien sûr. Avec plaisir. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Ark nous attend à la colonie sur Eladen. Il essaie de localiser la balise du transporteur. Il pourra nous donner son emplacement à notre arrivée. D'accord. Ne vous en faites pas, Drak. On va le retrouver, ce transporteur. Je compte sur vous, Ryder. Hey. Merci. Je vous vaudrai ça. Je sais. Je vous fais confiance. Prêt à partir, Piot ? Qu'est-ce que... Vous avez trouvé quelque chose ? On a reçu un signal. Une demande d'identification. Le Tempête a envoyé une réponse automatique. On ouvrira l'œil dans le secteur. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Une procédure anti-traçabilité ? Le propulseur a subi une surcharge. Mais j'ai été plus rapide. J'ai récupéré un numéro de série qui... a déclenché une alerte ? Pionnière, nous devons contacter Madame Addison au plus vite. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des holos en attente ? Ryder, parlez-moi du satellite que vous avez trouvé. De quoi est-ce que vous parlez, madame ? Mon alerte a identifié un traceur de ressources ZK. Il s'agit d'une technologie d'urgence capable de contourner le protocole. Ils ont été conçus par le docteur Zoe Jane Kennedy qui a disparu avec les exilés. Si sa technologie a refait surface, elle pourrait permettre à des personnes mal intentionnées de piller vos avant-postes. Pourquoi ces traceurs ont été autorisés à contourner le protocole ? Ils sont censés être des plateformes capables de localiser et d'extraire rapidement des ressources si des vies sont en danger. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas été déployés. Tam n'aimait pas qu'on passe outre son cachet d'approbation. Si ce satellite est récent, comment est-ce qu'il connaît nos mesures de sécurité ? C'est une très bonne question. Quel était le rôle du docteur Kennedy dans l'initiative ? Elle a conçu les balises orbitales, les stations avancées et la moitié des mécanismes du Tempête. Elle était capable d'installer une amélioration avant même que la demande arrive sur le bureau de Tan. Le docteur Kennedy a disparu avec les exilés. Une perte très regrettable. C'est assez extrême d'installer une alerte personnelle. Pourquoi avoir fait ça ? Le docteur Kennedy menait beaucoup de projets officieux. Mais vous les souteniez, comme ces traceurs ? Je n'ai aucune envie que Mordur utilise mes codes d'accès pour s'introduire dans nos ressources, ni que Tan vienne me le reprocher. Mais j'aimerais aussi savoir ce qui lui est arrivé. Vous dites qu'elle a disparu avec les exilés. Elle n'en fait pas partie ? Elle compatissait. Mais nous n'aurions jamais laissé partir une telle spécialiste. Elle était irremplaçable. Mais dans le chaos général, beaucoup de choses et de gens ont disparu. Par quoi est-ce qu'on commence ? La technologie ou la personne ? Le premier traceur vous a fourni quelques données. Avec d'autres scans, Souvi pourra peut-être retrouver le point d'origine. De toute évidence, ces traceurs sont déployés là où il y a une concentration de technologies de l'initiative. Des avant-postes, donc. Je parie qu'il y a d'autres traceurs dans les avant-postes. C'est là que vous devriez chercher. Et si on trouve quelqu'un ? Ils volent nos ressources. Je me préoccupe du docteur Kennedy, de sa technologie, et d'eux, dans cet ordre.
Ah, bien, vous voilà. Elle a que 2 minutes, et elle est en sacrée forme aujourd'hui. Je préfère vous prévenir. Elle vient relancer les protocoles de repopulation en inversant les anticonceptionnels chimiques des colons. Elle appelle ça chauffer la matrice. Elle va essayer de vous convaincre. C'est ce qu'elle est censée faire, après tout. Elle prend son travail au sérieux. Ah ben, si ça vous dérange pas... Enfin, ça m'est bien égal, moi. Aucune chance que je mette un enfant au monde par accident. Je vous dérange ? Ah, Jill, c'est pas trop tôt. Je te présente. T'embête pas. Je vous ai demandé de passer tous les deux, je te rappelle. Ryder, enchanté. Je sais que vous êtes très occupé. Juste une question. Vous voulez savoir si vous pouvez inverser mon anticonceptionnel chimique ? Pauvre chou. Je vois que ma réputation me précède. La question, c'est... Mais qu'est-ce que vous lui avez fait ? On dirait qu'il est devenu adulte. Il peut même avoir une conversation sérieuse sans que ça vire au concours de tacle. Sauf si c'est moi qui l'y entraîne. C'est quoi votre secret ? J'ai rien à voir là-dedans. C'est à lui que revient tout le mérite. Arrêtez vos conneries. C'est votre influence, c'est sûr. Toutes ces années où tu croyais me connaître, peut-être que t'étais à côté de la plaque, en fait. Même pas en rêve. Ok, je vous laisse tranquille. C'était un plaisir de vous rencontrer, Ryder. Plaisir partagé. Ryder, ça tombe bien, je vous cherche... Ah, pionnière. Il paraît que c'est à vous qu'on doit notre processeur d'atmosphère qui défie les lois de la physique. En effet, je m'appelle Ryder. Annie Abrams, directrice de la recherche scientifique sur EOS et auteure d'une collection d'articles intitulée « Tant de chiottes ». Mais bon, une nouvelle galaxie, un nouveau monde et un vrai nouveau départ. Il faut bien suivre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Sur quoi portent vos recherches ? On observe des flux migratoires dans la faune locale, ce que les tempêtes ont empêché pendant des siècles. Ça fait beaucoup à recenser. L'activation du caveau a changé la planète. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ? D'après les données reçues des autres avant-postes, il semblerait que l'effet de ces caveaux soit permanent mais bénéfique, pour l'instant. Mais les tempêtes semblent avoir cessé pour de bon et je sais qui contacter en cas de problème avec les reliquats. Ça devrait aller. Qu'est-ce que vous pensez du lieutenant Bradley ? J'apprécie qu'il préfère raccrocher au nez de Monsieur Tan pour aider quelqu'un qui a besoin de lui. Bradley ferait tourner cet avant-poste à lui tout seul s'il le devait. Et on va faire de notre mieux pour lui éviter ça. Je dois y aller. Bon courage pour la suite. Là, vous avez senti cette secousse ? Ces derniers temps, on observe une importante activité sismique. Les ondes sismiques correspondent à celles des architectes reliquats. Je pense qu'il y en a un gros tout près. On a déjà affronté des architectes. Ça va être du gâteau. Ne construisez pas tout de suite votre vitrine à trophées. J'ai un plan. Il y a des rivières souterraines inexploitables sur EOS. Mais en attirant cet architecte au bon endroit, il pourrait nous aider à irriguer le désert. Nos marteaux de prospection sismique conviendraient parfaitement. Il suffirait que quelqu'un les mette en place. Vous voulez bien ? C'est quoi un marteau de prospection sismique ? C'est Fox qui les a fabriqués. Ils cognent aussi fort qu'une dizaine de Krogan. Et leurs vibrations souterraines provoquent des changements. Ces marteaux nous donnent des données intéressantes sur les sols, mais en toute franchise, ils sont surtout marrants à utiliser. Très bien, dites-moi où aller. J'ai noté ce qui semble être la trajectoire de l'architecte et plusieurs points où on peut l'attirer. C'est là qu'il faut placer les marteaux. Mais faites attention, les secousses sont de plus en plus violentes. À part ça, il vous fallait autre chose ? Je dois y aller. Bon courage pour la suite. Ce matériel a clairement servi à soigner des blessures causées par les reliquats. Le datapad disait que l'équipe technique essayait de les contrôler. Des particules de sable ont été retirées de la blessure. Analyse en cours. Ce sable a plusieurs provenances possibles. Je pense quand même que ça aurait été mieux avec des soldats. On est venu pour explorer et apprendre. Ce sont nos valeurs. J'espère que tous ces scientifiques seront en sécurité ici. Le tableau de service. Le datapad parlait d'un certain Jennings. Voilà, Axel Jennings, affecté à l'installation de sondes météorologiques un peu partout dans le désert.
Le seul lieu dont le sable correspond à celui de l'équipement médical est un monolithe. En route. Aucun signe de ces techniciens, mais quelqu'un a abandonné son équipement. Attendez, j'ai un canal ouvert. Les doigts dans le nez. On attend que la charge électrique soit assez forte et les reliquats nous obéiront comme des toutous. J'espère que tu ne t'es pas planté cette fois, Jennings. Si t'as si peur que ça... Tombé à pic. Merci pour votre aide. Votre petite expérience sur les reliquats n'a pas fonctionné? Bon, ok. Qui a lâché le morceau? C'est Kasperek, hein? C'est lui, non? Ces reliquats pourraient labourer nos champs ou nous protéger des Kertes. Vous les contrôlez bien, vous. Alors pourquoi pas nous? J'ai une IA ultra évoluée et suffisamment d'expérience avec les reliquats pour savoir qu'il faut faire attention. Jennings, ça ne marche pas. On aura au moins essayé. J'ai compris. Mais vous pouvez pas nous protéger en permanence, pionnière. On doit tirer parti de tout ce qu'on peut trouver. Approche ! Voyage vite fait bien fait. Ça ne nous rendra pas notre matériel, cela dit. Alors, où est votre projet secret? Pas loin. Un convertisseur de sol. Ce n'est pas la terraformation des reliquats. Mais ça transforme le sable en quelque chose d'utilisable. Avec des graines et de la pluie, on peut faire un jardin. C'est vrai, vous vouliez votre propre jardin. Ça prendra longtemps, peut-être trop, mais ce n'est pas grave. Les Asari pensent en siècles. Elle crée une base, puis, sans intervenir, la laisse s'épanouir d'une façon inattendue. Ma formation de pionnière est ma base. Elle m'a offert toute une galaxie de routes à emprunter. Je n'ai pas besoin de modèles à suivre. Juste d'un point de départ. Les premières graines d'un jardin. Que j'aurais planté avec une amie. Je dois prévoir mon chapeau de paille et ma salopette. Ne changez pas, Ryder.
Prête? 1, 2... Les dunes ne tiennent bon. Les trouvailles du maire, parce qu'il faut qu'on tienne bon. Ah, les politiciens, toujours plein de bonnes idées. Notre ami nous appelait depuis un bunker carte. Bien donc. Qui vous dit que c'est un ami? Eh ben, regardez qui voilà. C'est vous qui avez fait ça? Et comment que c'est moi? Je m'appelle Ben Massani. La chasse aux kertes, c'est mon passe-temps. On devrait monter un club. Et oh, c'est l'endroit idéal pour ça. Cette planète est un aimant à kertes. Je les traque, je marque les endroits à cibler. Vous avez détruit la fourmilière, mais les fourmis rôdent toujours. Si vous voulez protéger votre avant-poste flambant neuf, vous avez intérêt à les exterminer. Je ferai tout ce que je peux pour défendre Prodromos. Ravi de l'entendre. Je transmets les coordonnées à votre Omnitech. À terme, il faudra détruire la fourmilière, leur base principale. Mais vous n'êtes pas encore prête pour ça. Je suis prête. C'est du suicide. Mais bon, aussi stupide soit-elle, c'est votre décision. Bonne chasse, pionnière. Vous n'étiez pas chasseur de kertes dans la Voie lactée? Non, je bossais pour une boîte de sécurité. Ça payait bien, mais c'était chiant à mourir. Un pote m'a parlé de l'initiative. J'ai sauté sur l'occasion de partir à l'aventure. Vous avez amené de la famille? Sûrement pas. Ma mère est morte quand j'étais gamin. J'ai jamais connu mon père. Paraît que c'était un grand mercenaire. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a donné son nom et rien d'autre. Vous n'êtes pas venu sur Eos avec l'équipe de Bradley? Non, je fais partie des affreux exilés de Tan. J'ai quitté le Nexus après la révolte. Depuis, je me balade de planète en planète pour chasser les kertes. Personne n'aime les kertes, mais vous, vous avez vraiment l'air de les haïr. Que voulez-vous? Je suis un esthète. Alors quand je vois des mochetés pareilles... Pourquoi vous avez participé à la révolte? J'ai pas aimé leur façon de jouer aux dieux, à décider de qui ils se réveilleraient quand. Alors j'ai joué aux mutins, et quand ça a mal tourné, je me suis barré. Vous ne vouliez pas rester avec les autres exilés? Honnêtement, la plupart sont des connards. Et je dis pas ça affectueusement. Qu'est-ce qui attire les kertes sur Eos, à votre avis? D'après mon expérience, ils vont là où se trouvent ces structures bizarres. Je sais pas du tout pourquoi. J'ai arrêté d'essayer de les comprendre. C'est plus facile de leur coller une balle dans le crâne. Faites attention à vous, Massani. C'est le but. Être les seuls générateurs apportés par les kertes. Compte tenu du grand nombre de kertes sur Eos, je ne peux qu'être d'accord avec vos pionnières.
On va continuer à les neutraliser au fur et à mesure. Ennemi droit devant! Bane, on arrive à la caserne. Restez sur vos gardes. Il devrait y en avoir moins qu'à la base. Mais c'est pas une raison pour foncer tête baissée. Je crois qu'on en a terminé. Pas mal, petit brebis. Pas mal. C'est vraiment le pire surnom qu'on m'ait donné. J'admire votre travail, pionnière. Je voulais vous remercier en personne. Sacré exploit d'avoir éliminé tous ces cartes. C'est vous qui m'avez montré où frapper. Vous vous en seriez très bien sorti sans moi. Mais vous avez pas fait tout ce chemin pour que je vous lèche les bottes. Tenez, votre récompense. Content de voir qu'il y a au moins une personne compétente sur le Nexus. Faites attention à vous, Massani. C'est le but. Via votre interface minière. Bon, je déclenche le premier marteau. Accrochez-vous. Des reliquats arrivent par en dessous. De ces marteaux pour quelque chose d'important. Ça devrait être un bon coup de semonce pour l'architecte. Allons placer le marteau suivant. Des étrangers sur notre chemin. Une pionnière, hein? Inutile de vous demander si vous êtes amis ou ennemis. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un du Nexus dans le coin. On vient de la nation souveraine d'Avent, à quelques centaines de clics dans cette direction. Notre nation, hors de toute ingérence du Nexus. On n'a pas rejoint Andromède pour soutenir le régime de Tan. Avent ne compte que des citoyens libres.
Je n'ai rien contre vous ni contre Avent. Je suis là en mission. Et moi, je n'ai rien contre les pionniers. On a un travail en commun. Le niveau de notre nappe phréatique a baissé, comme si les rivières souterraines s'étaient asséchées. Le problème semble venir d'ici. L'activité sismique est importante par ici. On s'en sert avec un marteau de prospection pour exploiter les rivières. Eh merde! Avent a besoin de cette source d'eau pour rester indépendante. Est-ce que... un arrangement serait possible? On a détecté un énorme gisement de gaz naturel par ici. Vous jouez du marteau, on l'extrait et on le vend à votre avant-poste. Tout le monde y gagne. Notre avant-poste peut s'en sortir avec l'eau qu'on a déjà. Bon, c'est d'accord. Parfait. Je peux vous indiquer où frapper et faire venir nos mineurs. La nation d'Avent vous remercie. Vous faites partie d'une nation indépendante? À quoi elle ressemble? Avent, c'est une petite nation, mais elle grandit très bien sans l'appui du Nexus. Notre capitale, Aurora, est dans un creux agréable et plein de grottes, à l'abri des tempêtes. C'est plutôt douillet. Votre nation a des intentions pacifiques, j'espère. On est des colons et des explorateurs, pas des enfoirés de pirates. Si vous respectez nos frontières, il n'y aura aucun problème. Qu'est-ce que vous avez contre le Nexus? Je n'ai pas parcouru de millions d'années-lumière pour être au service de quelqu'un d'autre. Le Nexus veut que les gens attendent sa permission avant de commencer leur nouvelle vie. On est nombreux à refuser d'attendre. Vous n'avez pas de soucis avec les reliquats chez vous? Les reliquats? Ces espèces de robots? On en voit des petits de temps en temps. S'il y en a ici aussi, alors peut-être qu'ils sont partout sur cette planète? J'y vais. Bonne chance à vous. Ennemi droit devant! Le courant a été dévié, mais on peut exploiter les rivières souterraines à partir d'ici. Vous en faites pas pour les autres. De l'eau, ils en trouveront ailleurs. Le gisement de gaz est dans l'autre site. Ça pourrait aider Avent, mais on ne peut pas faire les deux. Indique-moi un autre emplacement pour le marteau, Sam. Un dernier coup devrait suffire. Dernier marteau. Préparez-vous.
Attaquez la tête, c'est le moment. Du gaz naturel juste sous nos pieds. Vous en faites pas pour l'environnement. Ce sera toujours vivable pour quelqu'un. On pourrait aussi aller sur l'autre site pour approvisionner Prodromo son eau. Il faut faire un choix. Ils sont vraiment pénibles. Ryder, ici ennemi à l'avant-poste. Je viens de voir un énorme pic sur les relevés sismiques. C'était l'architecte ? Oui, il a suivi les coups de marteau. Beau travail, Ryder. L'avant-poste est en sécurité et cet architecte devrait nous donner exactement ce qu'il faut. Préparez-vous.
terminal actif. Restez à portée. Eckert, préparez-vous. Restez à portée. Terminé, pionnière. Nous avons ce qu'il nous faut. Attention, Becker. Comment peuvent-ils passer? Nous sommes au maximum de notre capacité. Ce doit être le chef de ces cartes. Thank you.
Alarme désactivée, pionnière. L'arme avant qu'elle n'attire des renforts, pionnière. Voilà. Espérons que ça les arrête.
Et voilà. Espérons que ça les arrête. C'est bon, la base est déconnectée. À l'extérieur aussi, regardez. Je n'en reviens pas. Gil a reconfiguré tout notre tableau de navigation. O'Connell avait fait une dizaine de sorties dans l'espace pour mettre ça en place, c'est pas vrai ! Callo, ne faites pas. Prenez la barre, ça a assez duré. Vous vous fichez de ce que mon équipe et moi avons traversé pour construire ce vaisseau? Oui, je m'en fiche. Ce qui compte pour moi, c'est notre survie ici. Et si ça implique de modifier... Ah, vous n'avez pas le droit de faire ça! Arrêtez tous les deux. D'accord, quand il me lâchera la grappe sur ma manière de bosser sur le Tempête. Vous n'étiez pas là. On a trimé pour combiner une foule de nouvelles technologies. Toutes les nuits blanches, les coups de génie, les accidents. Les humains oublient, mais pas les Galariens. Moi, je continue à vivre ces moments. Mon équipe est là. Démonter le Tempête comme une vulgaire radio cassée compromet tout ce qu'ils se sont échinés à construire. C'est leur héritage. Je comprends ce que vous ressentez. Sérieusement ? Écoutez, Callo, vos camarades ont fait du bon boulot, mais ils sont morts. Ils ne pouvaient pas anticiper les problèmes d'Eleus, comme le fléau. Si on ne s'adapte pas, on mourra nous aussi. C'est ce que vous voulez faire de leur héritage ? Éventrer un vaisseau aussi complexe au beau milieu de l'espace, ce n'est pas s'adapter.
c'est se montrer irresponsable et irrespectueux. Le Tempête a trop de nouveaux systèmes au fonctionnement délicat pour être modifié à la va-vite. Si on doit apporter des changements, faisons-le prudemment et avec respect. C'est votre vaisseau. J'espère seulement que vous savez ce que vous faites. Ryder, je sais que c'est pas... Merci. Bon, c'est terminé. On se remet au boulot. Efra aurait dû m'en parler. Du calme, Axul. Je vais bien. Vous avez failli mourir. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Du calme. On m'a invité. C'était donc vrai. Aya a ouvert ses portes aux étrangers. Axul, Ryder m'a sauvé des Kert. Elle a risqué sa vie pour... Sloane Kelly a sauvé Kadara. Regardez ce que ça a donné. Je veux qu'on soit alliés. Des alliés égaux. Vous ne traitez même pas les vôtres en égaux. Ce n'est pas pour ça que les Krogan sont partis. Comment vous... Je vous ai observé. Vous êtes des envahisseurs comme les Kert. Vous êtes juste moins prudents. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le saurez bien assez tôt. Méfiez-vous d'eux, Shovahan. Axul. Il n'était pas comme ça avant. Il était curieux, intelligent. Mais les Kert, même sans exaltation, ils nous changent. On a encore le temps de le faire changer d'avis. J'ai envie d'y croire, mais il a une telle haine pour les aliens. Je vais lui prouver qu'on est digne de confiance. Je l'espère. Ryder, on vient de recevoir un enregistrement d'urgence d'Eos. Rendez-vous à la salle de réunion dès que vous serez de retour sur le Tempête. Communication par holoconférence en préparation. Souvi, passez l'appel de détresse de Prodromos en entier. Tout de suite. Ici Prodromos, l'avant-poste de l'initiative sur Eos. On a besoin d'aide. Tempête, ce message est pour vous. Des ennemis sont en approche. Pas d'activité terrestre, mais ça va pas tarder. Pionnière, on a besoin de vous. On coupe les communications jusqu'à ce que le problème soit résolu. Hors de question d'abandonner Eos cette fois. Terminé. J'aimerais avoir plus d'informations que le terme « ennemi » et la crainte que les choses tournent mal. Il a peut-être peur que ce ne soit pas une simple attaque. Si quelqu'un est prêt à prendre le risque d'attaquer Prodromos, votre premier avant-poste... Ils veulent annoncer la couleur. C'est tout ce qu'on a reçu? Rien de plus? Non, Ryder. Mais il n'y a pas eu d'alerte non plus. La balise orbitale n'indique pas de trafic important. Bragley est un militaire. Il aime se sentir prêt. Je parie que c'est une baisse de tension pour éviter d'apparaître comme une cible. Gardez les coordonnées sous le coude. Je serai bientôt sur la passerelle. Bien reçu. Espérons que vous arriviez avant que ça ne vire au cauchemar. À tout à l'heure. Merci d'être venue. Je savais que vous seriez partante. J'ai besoin de réponses. Vous avez dit qu'il y avait des ennemis à l'approche. On a eu des attaques. Avec tous nos gadgets scientifiques, on s'attendait à des pirates, mais pas à ça. 4-5, je répète. Réserve terminée, en attente de la balise. Lancement à la détection. Je répète. 1-2-3. Qu'est-ce qu'on entend, Bradley ? Voilà ce qui m'inquiète. Peut-être que les attaques qu'on a subies étaient un leurre pour mettre en place une tactique au croc noir. Tactique ? Vous voulez dire militaire ? Non. C'était une voix en Gara. Il parle d'Héroïcar. C'est pour ça qu'il nous a fait venir. Une attaque sur notre premier avant-poste ? Vous imaginez comment le Nexus réagirait ? C'est exactement la réaction qu'Axul attend. Eos a déjà subi assez d'épreuves. On va mettre fin à tout ça. Je savais que je pouvais compter sur vous. J'espère que je me trompe, pionnière. Je voulais pas de cet état d'esprit dans Andromède. Allez au croc noir. Je vous transmets les coordonnées du signal.
Bradley avait raison. Il y a des Roikars ici. Attention à ce qu'ils pourraient nous réserver après la première attaque. Merci, gamin. Oui, c'est bon. Et on a toujours le signal de Bradley. Bien, allons voir ce qu'il protégeait. Ça m'inquiète. Les Roikars ne sont pas des pirates. Ce signal peut appeler des transporteurs à un endroit précis. C'est une stratégie des Roikars. L'éclaireur aurait placé la balise au centre de Prodromos. Pour indiquer à Axul où frapper exactement. Bradley, il y avait un éclaireur Roikar avec une balise de ralliement au gros noir. Merde. Heureusement que vous y avez mis fin. Cette mission n'est pas terminée. Les voilà ! On doit s'assurer qu'ils ne reviendront pas. Je suis pas sûr de comprendre ce que vous demandez, pionnière. On peut pas mettre en péril notre premier avant-poste. Troisième avant-poste. On avait deux autres sur Eos avant. Promesse et résilience. Qu'est-ce que vous faites ? Utilisons leurs balises à notre avantage. S'ils veulent une cible, on va leur en donner une. Il y a toujours du courant au site 2. Vous pourriez vous servir de son système de communication. On utilise le site 2 comme appât. C'est parti. Sam, tu sais où se trouve la balise des Roikars ? Oui, pionnière. Système de communication du site 2. Bien. Ne faisons pas attendre Axul. Coordonnées ajoutées pour la transmission du signal des Roikars. Appuyez sur le bouton. Ça les conduira droit sur nous. On connaît le terrain, pas eux. Je ne veux pas comprendre ce qui leur arrive. Transmission du signal des Roikars en cours. Est-ce qu'ils viennent vers nous ? Les Roikars ont modifié leur trajectoire. On ferait mieux de se mettre à couvert. Humaine, je vous avais prévenu. La balise est active. Vous n'avez pas pu arrêter nos éclaireurs. Ils sont tombés dans le panneau. Attendez qu'ils atterrissent. Prêt pour la base, non ? Vouloir vous vexer, mon grand, je ne pense pas que ça aurait fait une différence. Oh, ça dépend du Krogan. Ah !
bordel! Que tout le monde se prépare à défendre! Ça a l'air de tourner au vinaigre pour eux. On a réussi, Ryder. Pionnière, la navette d'Axul quitte l'orbite d'Eos. Je m'en souviendrai. On n'en a pas fini. Pour aujourd'hui, ici. Et on sera prêt la prochaine fois. Rejoignez-nous à Prodromos, Pionnière. On vous doit une fière chandelle. Une fois de plus. Pionnière ? On a repoussé l'attaque des Roekar. On saura de quoi se méfier à l'avenir. On peut pas se contenter des intuitions d'un vieux. Je voudrais tout particulièrement remercier notre ami Jal, qui nous a montré qu'on pouvait être aussi dans le même camp. Partir du principe que tout le monde est un ennemi potentiel, ça ne nous mènera nulle part. C'est pas ce qu'on compte faire. Comment va l'équipe ? Encore un peu sous le choc. On peut pas leur en vouloir. Je devrais peut-être dire quelque chose ? Si vous voulez. Vous avez démontré vos compétences à de nombreuses reprises, et ça a encore été le cas cette fois-ci. L'infrastructure que vous avez bâtie, le savoir-faire que vous avez acquis. En dépit de tous les problèmes auxquels vous avez fait face, vous restez un exemple pour tout ce secteur. Et quand est-ce qu'on se remet au travail ? Ils n'attendent aucune reconnaissance de votre part. On perd parfois, mais si on leur donne l'occasion de continuer, ils la saisiront. Ça a été une rude journée, mais une journée de plus. Et ça, grâce à vous. C'est votre peuple, Ryder. Pionnière, vous avez des holos en attente. Jal, je suis dans la salle de réunion. Juste derrière vous, Ryder. Voilà le message. Jal Amadarav, tu as toujours été un idiot qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Tu es d'une étrangère au lieu de t'occuper de ton propre peuple. Tu ne mérites pas de porter le nom de ta famille. Il commence vraiment à me gonfler, celui-là. Ça a toujours été un Vesha Anan. Un Vesha quoi ? Quelqu'un qui est fier de sa merde. On n'a jamais réussi à s'entendre. Il est juste jaloux. De quoi ? Vous valez mieux que lui. C'est vrai. Je suis plus beau que lui. Axul veut nous pousser à faire quelque chose d'irréfléchi. Ne lui donnons pas cette satisfaction.